Nous sommes dans une compétition, on a fait une première partie. Nous avons préparé la deuxième partie avec beaucoup de sérénité, certainement aussi avec l'enthousiasme et surtout la détermination pour pouvoir assurer la qualification. Mais je vais sans mettre la pression maximale sur nous-mêmes d'abord, parce que la pression maximale peut engendrer la précipitation et finalement l'insuccès, on ne le souhaite pas. Mais donc nous allons jouer la tête sur les épaules et avec l'accompagnement, l'effervescence de notre public. Le match aller, nous avons fait amende honorable. C'est vrai qu'il y a eu un but contre nous-mêmes. Bon, franchement, le match retour également, c'est une autre scène. Et nous continuons toujours à persévérer, à positiver surtout, parce que le football, il faut positiver. Et je crois qu'avec cet esprit positif, nous serons atteints nos objectifs. Donc, sans tenir compte de la qualité excessive, comme vous le dites, de l'adversaire ou de nos insuffisances, c'est-à-dire nous tenons compte de tous les aspects, nos atouts, nos forces, nos faiblesses, les forces, les faiblesses de l'adversaire pour aborder ce match-là, parce que c'est un tour quand même décisif. Et je suis sûr que les enfants, ils ont beaucoup appris. Ils ont beaucoup appris de ce premier match. Et je crois que le dernier mot leur revient. Et c'est avec détermination, je suis convaincu qu'ils vont donner satisfaction à ce grand public. Vous savez, le Popo a un public très effervescent. Et cette effervescence-là, nous l'adorons. Parce que nous, les acteurs de football, nous sommes comme le poisson. Et notre eau, c'est le public. Vous comprenez? Donc, sans le public, nous ne vivons pas. Nous sommes très heureux de retrouver notre public. Pourvu qu'il soit avec nous. Dans les moments difficiles, comme dans les moments les plus faciles, les gars. Et tous ensemble, allons vers la victoire.